Bonjour à tous, bonjour à la mission Tango Yalilo, na Pona Congo, il y a jeudi 24 octobre 2024, Boza partout dans le monde, Boza na Kinshasa, dans les fins fonds, Boza na Maluku, Boza na Selimbao, Boza na Limité, Boza na Gombe, Boza na Afrique, Amérique, Europe, Boya Ibulam, na Pona Congo Yalilo, on décrypte sur les discours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Azabongo na Kisangani, lui ba yamba kie, atonda ki botondi, po ba pesa ki second mandat, mais aussi alobi makambo. Ebele, na ton lelo azabongo na ndeko, Fedi Mukendi. Mbote. Mbote ndeko Maria, merci pour l'invitation. Mbote na ba Congolais, nyonso bazola nda émission Pona Congo. Mbote ndeko na biso ya opposition tozana na plateau. Mbote na ndeko Eric. Mbote na ba Congolais nyonso bazola nda biso. Très bien de vous faire Mbote ndeko Eric. Mbote maman Maria, Congo mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo ma patrie, Congo bwala na mono, Congo nichiyango, Congo ditonga diani, Congo mboka na ngai na kobatela pe na kobundela yango. Na pesi mbote na bandeko nyonso tozali na bango na plateau, mbote na yo moko, mbote na ba technicien o nyonso bazali ko accompagner biso pour na émission oyo et puis na pesi mbote na wazali premier citoyen ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le cuisinier national lokola na benga kaita mwenyoso. Très bien ndeko Eric. Mbote ndeko Ibajuko. Mbote, merci mingi pour l'invitation. Mbote na bandeko nyonso. Ligoso na ngina présenté ba condoléances na grande famille SID. Oyo na ntokundi ndeko na biso Jires Manzandate kasi touti obungisa Jean-Claude Mwalimu wazaki directeur ya cabinet ya président Martin Fayulu. Donc mes condoléances à toute sa famille politique au biso tozali et puis à sa famille biologique. Kasi na robo senate europé sa bande konanga ya walikali mbote o wapi basi ba koti na liste ya bande ko bazali sous l'emprise donc la bande ko ya Rutshuru, Bunagana, Kishishe, Kiwanza oba kobika pasi abandonné par les pouvoirs publics. Très bien, ndeko Yves Badjoko. Ndeko Fedi Mukendi lobi ndeko tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi aza bongo na Kisangani abezaki bango ka kozonga azongaki lobi comment analyser bongo discours na ye bon na sepelaki na discours ya mokonzi ya mboka parce que c'était un discours qui coupait court à beaucoup de spéculations autour de la révision de la constitution. Beaucoup de spéculations autour de ces six engagements. Oui. Ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que Mokonzi ya mboka a kisi ba Congolais que constitution est à la Bible te, parce que la Bible nde et si ka ba lobi que il faut pas ajouter, il faut pas retrancher. Et dans la constitution, il y a bas article na bas disposition oyo ils en a pouvoir ya mokonzi ya mboka oyo a ko changer sans demander l'avis à quelqu'un, d'autant plus que peuple a pécié déjà mandat ya ko zwa ba décision na kombo ya peuple en tant que président de la République. Et en dehors de ça, il a ajouté qu'il y a des dispositions verrouillées. Oyo, pour na ko toucher yango, il faut peuple yomoko à l'oba. Donc, banguna ya Congo, baya ko distraire binote, na makambo yo etali révision ya constitution. Ce qui te pèse un mandat en tant que Mokonzi ya mboka, donc aza peine à pouvoir et à changer bah article au yezo pèse à kokoso na makambo ya ko gérer mboka na biso a pèse ndakisa bah disposition au yezo salake Mokonzi ya mboka aza élu le 20 décembre investi au mois de janvier. Mais le gouvernement est Banda Moussala au mois de juin. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'identifier la majorité parlementaire. Et majorité parlementaire dans le contexte, il y a un mot cannabiso.
parti mon côté à cause de la majorité parlementaire aux élections. Parce que Tokendake élection avec plus de 900 partis politiques. Donc, obligatoirement, après élection, il faut Mokonzamboka Azouata y a qu'on nomme informateur à Salamoussala, Moussalango, il faut à Salango, 1 mois x 2. Donc, presque 2 mois pour que Salamoussala y a qu'on identifie la majorité. Attaque à identifier la majorité, il faut identifier les sous-formateurs du gouvernement. Tout ça, ça prend le temps. C'est un exemple d'une disposition qui peut être changée sans recourir au peuple. Très bien. Il y a beaucoup d'autres dispositions. Je donne une disposition pour moi-même, par exemple. La Constitution consacre la gratuité de l'enseignement primaire. Mais aujourd'hui, Nambora Bisso, on ne parle plus de l'enseignement primaire, on parle de l'enseignement de base. Ils ont de premier primaire jusqu'en 8e. Donc, tout ça, ça peut faire que révision et la Constitution est là. Très bien. Déco Eri, bon, on a déjà qui discours à chef de l'État lobby. D'abord, on a petit merci à Baboyomenyon surtout. Oyo Bassa Masaki pour nous accueillir, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président national. Et na ba na mama nyonso tout et puis na ba ndeko nyonso tout ya kisangani kingo mwambe au bazaki réni tout autour ya ministre finance Doudou Fouamba pour na accueillir le président de la République et puis qui était aussi nombreux à place de la poste pour na koyoka discours ya Mokonzi ya Mboka. Vraiment à féliciter bango makasi pour l'engagement wana pour na bolingo balakisi envers le chef de l'État et en retour je crois que Mokonzi ya Mboka akotika bongo te ako sala ce qu'il faut faire pour que bana ya Kisangani baza satisfait par rapport ya ba demande au nyo sezali ya bango et par rapport ya discours Mokonzi ya Mboka mama Maria oyebi ete Mboka na biso et connaître ba tungulu bilé. Donc, même quand vous prenez même notre constitution, à partir de son exposé, vous voyez que ça pose déjà des problèmes. Il y a même la constitution elle-même, il y a beaucoup d'absolus, ils ont consacré contestation, ils ont pèsé opportunité dans Badongolo Miso pour être Bassi Mamando qui contre Mbokanabiso. Je crois, j'ai toujours dit ça, c'est le chef de l'État qui juge la nécessité et l'opportunité. Pour Anina Lobakayango, parce que Azali, Congolais à Yambo, Azali, Likolo et Bakongolais Nyonso, Azali, Misope Mato et Bakongolais, Azali, Komona Makam, Nyonso, Azali, Kapé, Azali, Koyoka, Nyonso, Azali, Kolobama, Pona Congo. Maman Maria, Oebi, Constitution, je ne vais pas me baser plus sur une définition purement juridique ou sur le juridisme, mais Essengeli, Bakongolais, Bakongo, Maniba, été Constitution, Azali, Mebe, Kolikondi, Yamboka. Mais mibe que le kondi amboka oyo esengeli et reflété culture nabiso et reflété ba attitude nabiso ba comportement nabiso que ce soit social, politique, économique, scientifique, technologique esengeli te ezala reflété ezala repris na kati ya constitution ya mboka parce que ce qui ba habitude nabiso comportement nabiso politique, comportement nabiso social, comportement nabiso économique ezali refléter la constitution, c'est-à-dire nous sommes et tiens mais si comme on était pour na écoma ben norme ouais qu'on conduit un biso et allez passer ma casse ouais bien à tout moment en Boka Oyo quand il y a des tractations politiques bah congolais bah c'est toujours dialogue mais bah on souba répondre à quel dialogue c'est constitutionnel d'accord mais toi y est bien t'es na attitude na biso na comportement politique na biso ya congolais nous surtout et c'est ka tango nous nous ezali tango makele les ali na mboka et c'est ngai te batyo so bavanda tout autour d'une même table pour échanger pour discuter likolo ya likambo o ya mboka par exemple les guerres à l'est découvrir les autres dialogue les loyo je crois que Ndeko Yves a contredit ngate mais dialogue wana ezali consacré na kata constitution te bah imbo kamusu bazo répondre ezali constitution ngata constitution te bokosenga yango pona nini
Alors que dialogue, ils ont un comportement politique, nabiso, paix sociale, il y a Congolais, paix africain, ils ont dit que non, ils ont tout, ils ont résolu tout autour, il y a pas l'arbre. Mais continuez à dire que les Aïna ont voté. C'est parmi les inquiétudes où les Aïna ont voté, ils ont voté en Boka. D'accord? Très bien. Tout ce qui est là, Mokondi Mboka na kamakambo ya constitution na discours na ye alobeli alobi par exemple pour na article 225 où fait le peuple souverain primaire nde azali na capacité makoki ya kotoucher yango. Merci beaucoup. Très bien. Ndeko Yves Badioko na kati ya discours ya tata Mokondi Ekolo alobi ba opposant bazala opposant nzala. Opposant nzala ba incapable. Est-ce qu'il a raison? Mais le collabo messa non de Félix Tshisekedi ya Kobi kara na makomi na salaka, kofinga na kopromettre. Et le komi balé ou yébo sal. Kofinga biso ke tuzali opposant à Yanzala. Est-ce que c'est sérieux? Ou on a la légèreté avec laquelle on gère et on traite les affaires y a l'État. Ou on a discours yande Félix Tshisekedi banda ya wa tribalisme et mati, ba kongole ba kabouani. A kekuna ba kisizous, poto kabouana lissous ou bien. Parce que c'est ça qui sait faire le mieux et c'est ça qui sait faire le plus. Il y a une capacité à changer l'article de la Constitution. Il y a une capacité à changer l'article de la Constitution. Dès qu'on a dit que l'article 78 est opposé problème, parce qu'il faut identifier la majorité, il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas là. Mais, DPS, il y a 75 députés, 70 députés, je pense. Il y a ce qui va être mosaïque. Mosaïque, c'est-à-dire que parti, il y a créé, pour qu'il y tricher dans l'élection, il y a 150. Si autant comme un y a ko kabula makambu ba comme ko yo kanate, est-ce qu'on les a dit faute y a biso, faute y a république, faute y a population, faute y a constitution, to les a des turpitudes na bango mokonde et sali bango ke ba comme na ndenga wana d'abord ba kosi ba buki likuta kuna o ba na kisanga ni bo vota ki nga mi te le kuta tout ça bo sala ki simulacre élection na bino bo zui ba na bino bo préparer bilo ko lingi bo sala avec 450 députés de boulot. Mais dès qu'on fait que tu avant que tu aies un peu la constitution, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Après, si 4-5 drapeaux Simba, pourtant, bon, quand on a l'image, on a un drapeau, il y a un drapeau. Parce que le peuple n'est pas concerné par le Kwana. Est-ce que le peuple, il y a un besoin de se reconnaître, il y a une promesse, kili, toko sala, na kope sabino boye, bo kipe batonate, okuna bawana batanzala. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller au jour d'aujourd'hui, na discours, il y a le lengewana, na kisangani. Il y a un bon salan de Félix Tshisekedi qui est un fils. La province orientale, Ndassimi Bandou qui kunat, Aku Bounsa Biso, Aku Bounsa Mboka, Nanga, Azali Mouana Kuna, Aku Sabongoni. Est-ce qu'il y a eu peut-être été que Bandekone Bada solidaire, Bandekone, façon de parler, pour dire que c'est sa région, Bada plus solidaire, Nanga Kenaye, qu'est-ce qui l'emmène pour contredire Nanga? A quel sous Kuna dans le discours, il y a qu'on change la constitution, autre à changer, ou changer pour année. Pour Tika Libéen, donc il donne encore du grain à moudre, Nabat, oh yo basima manduki, oh monsieur peut-être basim, non, non, t'es pas sa ma canici, oh bah esprit faible, bah qu'il y a des sous Simba, le coup Diongo, bah qu'il y a un débat soutenir, bah tout agresser Bissot, et pour encore faire quoi? Pour diviser, pour fragiliser les Congolais. Nazon, il y a l'article 78, oh bah le Bélé, ah que non, et tout ça, tant et Bélé. La constitution est claire. Article et le biboui. Si, deuxième paragraphe, si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Si une majorité n'existe pas, bon, on va qu'il y a ma ponami, na union sacrée, bazongi, bon, on va union sacrée. Est-ce que majorité est banakite? Il est banakite. Na 2018, na 2019, tombe à bouti na oldop électoral. FCC ou victoire à peuple. Secrétaire général il y a UDPS a signé na mokodi ya FCC Néhémie Mulanya qui majorité d'ailleurs déjà connue
du Cameroun nommé sous ma formateur et alité. Boni boni que question en a les lots comme poser sous ma problème. Normalement, de quoi Félix Tshisekedi d'avoir encore nommé Moutounaï facilement. Il ne connaît c'est très grave, ma Kambozo Loba. Toke ma ponami, yo zali candidat président au Yébité Nanya Kouza, la première ministre Nayo. Qu'est-ce que vous racontez là, Bate Konangai? C'est extrêmement grave, ma Kambozo Loba. Wana. Donc, tant que tu dois qu'il y ait Oyebi déjà, net et bisot Oyebi déjà. Président élu, Mante Fayebi déjà, que tant que tu relonges à ma ponami, Oyebi Nanya Kouza, la première ministre Namiso. Tous ces jeux politiques, Oyobazo Salawana. Bango Morode, ma contre Ribiso, Neko Gisin Kabouya, Lobia, 30 jours, ils allaient bélé, Nana Robeta Modada, 10 jours. J'avais dit en son temps, que pour n'a qu'on déterminer, même si vous voulez que vous avez exercice Wana, pour vous dire que vous avez un peu de temps, n'a pas qu'en deux heures, vous aussi ça. Vous avez un peu de temps, vous avez toute la majorité, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de continuer. Mais pourquoi on arrive jusqu'à ici? Pourquoi est-ce que les institutions se mettent en place en retard? Parce que vous êtes binomo co-responsable de votre propre activité. Je vous rappelle que faute Nabino, il y a autorité de référence, il y a IDPS, vous repoussez à l'élection. Il y a bureau, il y a Assemblée nationale. Pour répondre à l'élection, il y a bureau, il y a Sénat. De votre fait, de votre bon vouloir. Parce que vous étiez incapable, il y a Koyokana. Pour l'obiter, pour fixer date. Il y a élection. Il faut qu'il n'y ait pas autorité de référence de Félix Tshisekedi, le roi soleil, président de tout. Mais responsable derrière. Parce que quand les problèmes arrivent, il y a responsable, c'est toujours les autres qui sont responsables. Mais bon. Pour revenir, Boyokana quitté et vous, vous avez pris ce temps-là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la population. Je donne un exemple au Tolingaroupe Saming, le Sénégal. Au Sénégal, on a nommé président, le Binango a nommé premier ministre. Mais le Sénégal, gouvernement, ils ont renvoyé ta confiance. Deux mois après, et qu'ils ont renvoyé ta confiance. Donc, M. Félix Tshisekedi, il y a qui ont nommé premier ministre Naé, alors qu'ils ont nommé gouvernement Naé, peu qu'on soit, vote à confiance, plus tard, ça n'aurait causé aucun problème. Moi, je vais te débattre sur les faits, sur les articles où vous avez effectivement qu'on dérangeait, ou qu'on pêchait. Non, là, qui s'abandonne, qu'ils avaient qu'on pêchait, ils avaient des incompétences, ils avaient des légèretés, ils avaient des ignominies. Il y a gouvernement, il y a régime à monsieur Félix Tshisekedi, des Okumbabiso, Namakambo, Onyoso. Très bien, Ndeko Yves Badjoko. Ndeko, Fedi Mukendi, est-ce que le régime, il y a Ndeko Tshisekedi, il y a un opposant? Oui, sur le plan de la loi, il y a des opposants et qui ne sont pas majoritaires, qui n'ont pas beaucoup de gens derrière eux. C'est pourquoi Mkouzambo Galobi, ils ont opposition et Nzala. Nzala, on est Nzala Libumote, Nzala ya Baïdé, et puis Nzala ya Batou Sima. Sima ya ba opposant ou ya lelo, Moutouazate. Baza et Bélé na média, na réseaux sociaux. Et Moutoumoko a s'est multiplié avec 5-10 comptes et ça fait que Baza est belé. Mais sur terrain, Baza est belé. C'est pourquoi Mkouzambo Galobi et sa opposition en Zala. Bazo y a qu'on séparé ba Congolais na Makambwa Lukuta. Révision constitutionnelle, c'est prévu par la Constitution. Bako ya Golobate. Bah quoi réviser la constitution, ce n'est pas opportun. Mkouzambo Galinga a s'éterniser au pouvoir. Bako le bandengo a été parce que Balingi va séparer les Congolais, Banguna va côté la biso. Et ça cause une idée. On peut être pauvre en idées. On peut avoir faim des idées. Et que Zouango n'est pas battu moussousou. Dès Mkouzambo Galibisi, Boyomé n'a pas Congolais nyonso. Que Mkouzambo Galibino a voté. L'article 218. Lui donne le droit d'initier la révision constitutionnelle. Vous comprenez? Il peut initier la révision constitutionnelle et on délibère ça au Conseil du ministre. Donc, notre Ndegon Abisso ne peut pas nous contredire sur ce bas de ça. Oezo, là, qui c'est que l'opposition, c'est une opposition qui existe. Peut-être, il n'a évité sur Bango Bazar à résistance ou bien Bazar à opposition. Parce que, les uns s'appellent de résistance, les autres acceptent d'être de l'opposition. J'étais avec quelqu'un de l'ICD qui refusait d'être de l'opposition, mais d'être la résistance. Mais ceux qui balobi qui va dans l'opposition en Zala, est-ce que ça concerne les résistants? Non, ça ne concerne pas les résistants. Quand il parle de la majorité parlementaire, il dit non, vous êtes de l'Union sacrée. Donc, il y a une élection à l'Union sacrée. Non, on est parti sur base de partis politiques. Et chaque parti politique a utilisé ses moyens pour se faire élire.
Il n'y a pas eu l'argent sorti par l'Union sacrée. Il dit, toi prends 1 000 dollars, toi prends 10 000 dollars pour battre la campagne. Non, chaque parti politique, avec son autorité morale, a battu campagne avec ses moyens. Et lorsqu'il y a eu des députés, il faut identifier les députés qui vont faire la majorité parlementaire. Et en dehors de ça, il faut aussi parler. Vous avez amené 10 députés, vous avez amené 30 députés pour constituer cette majorité parlementaire. Donc, Ozoa, Premier ministre Wapi, ici, Kabatobaza, 70, ici, Kabatobaza, 100. Et tout ça, ça prend du temps. C'est un exemple que le chef de l'État a donné. Les temps qu'on donne à l'informateur, la Constitution ne donne pas 2 jours. La Constitution donne 30 jours fois 2. Mais si vous avez ces idées-là, que l'identification de la majorité peut se faire en 2 heures. Mais mettons ça dans la Constitution. On te nomme à 10 heures et puis, monsieur, tu identifies la majorité à 12 heures et c'est fini, ça évolue. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Hein? Le vote de confiance que tu évoques, ça se trouve dans quel article de la Constitution? Donc, ça prouve à suffisance que vous avez des idées sur les choses qu'on peut mettre dans la Constitution pour la reviser parce que ce n'est pas une Bible. Mais pourquoi vous vous acharnez à ne pas les dire? Pourquoi vous entêtez? C'est seulement parce que vous êtes dans l'opposition? Non, ça, ce n'est pas une bonne opposition. Dites-moi que vous êtes de la résistance. Parce que la résistance refuse tout ce qui est même dans l'intérêt du peuple. Je rappelle, Madame Maria, que la discussion ou le débat sur la révision de la Constitution est bandakina en France. Liboso y a diaspora congolaise de France. Oh, bah, Seri Mukozamboka a changé la Constitution sur l'article qui consacre la nationalité congolaise comme une et exclusive. Demandant au chef de l'État s'il faut a changer parce que Congolais, né de père et de mère, il se retrouve en France, il se retrouve en Belgique pour besoin de survie. Il change de nationalité, il a une autre nationalité, mais entre-temps, tous les jours, ils envoient l'argent au Congo, ils enterrent nos frères qui meurent, nos soeurs qui meurent, ils envoient et ils ont le droit de demander à leur chef de l'État de pouvoir changer la Constitution sur cet article-là, de manière qu'ils aient 2-3 nationalités comme les autres pays du monde. Et vous allez refuser à ces Congolais-là de demander à leur chef de l'État de pouvoir changer la Constitution. Et si le chef trouve que la demande de ce peuple est pertinente, il faut tout changer en gros. Il y a monté à l'opposition, l'obité, tout rechangé, Félix a touché la constitution, mais ce n'est pas opportun. Qui juge de l'opportunité de reviser la constitution? C'est toi, c'est moi? Non, mais c'est ceux-là à qui nous avons donné le mandat de pouvoir nous gérer. Ce n'est pas nous dans la rue qui jugeons de l'opportunité parce qu'on n'a même pas de temps pour réfléchir. On n'a pas de bureau acceptable où vous pouvez avoir le calme en tant qu'opposition pour réfléchir et donner des propositions allant dans le sens de changer ou non la Constitution. Donc, il y a beaucoup de choses. Je disais ici, le président, dans la campagne, il a prévu d'étendre la gratuité de l'enseignement jusqu'au secondaire. Est-ce que c'est prévu quelque part dans la Constitution? Non. Il l'a redire. Oui, je répète encore. Nous avons les cycles primaires qui étaient consacrés dans la gratuité, qui étaient consacrés dans la Constitution comme cycle devant bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on ne parle plus de primaire, on parle du cycle de l'éducation de base qui va de première jusqu'en 8e. Est-ce qu'on ne peut pas changer cet article de la Constitution pour que les 8 classes soient prises en compte par les trésors publics? Et si on fait ça, c'est dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt du peuple au nom duquel nous parlons. On ne doit pas être une opposition qui refuse tout. Tout qui vient de Félix, c'est mauvais. Très bien, Ndeko Fedi, Ndeko Eri. Est-ce que les lois de Ndeko Tshisekedi sont opposants ou bien opposants? Non, en fait, je veux dire, moi, je suis un concept opposant, résistant, tout ça. Opposant face à qui? Très bien. Congolais, il faut s'opposer à Congolais Moussousou. Pourquoi? Congolais, il faut s'opposer à Congolais Moussousou. Pourquoi Congolais Moussousou, il faut s'opposer à Kendewapi? Opposition sur quoi, en fait?
Et ça, terme juste oyo, ba mindele ba tien na katia ba buku na biso, pour na ko manipuler biso. Tant que vous faites la référence à l'État démocratique, tout ça. Tant que français, les Français parlent de la démocratie, de l'opposition. Quand ils parlent de la France, ils ne parlent pas opposants aux majorités, machin, tout ça. Ils ne parlent pas de ça. Bah, l'obélaka, intérêt à Mboka na bango. Mais, et ça, bah, mon bah, concept, bah, tiens, libiso, pour na ko manipuler, bah, tutut na biso. Au monite. Oh, Moussou Babi, résistant. Mais résistant, ceux qui ont tout ça résistant, tu as un territoire où ils ont occupé. Parce qu'il y a des territoires sous occupation. Oui. Bah, résistant, il y a la Chine. À l'époque, la Chine était sous occupation. Hein? Il y a le Japon. Vous voyez un peu oui. Aujourd'hui, les résistance à le Congo. Entre les Congolais, tu as un Nini de Gobadjoko. Tout ça, on est là comme on côté. Mais plutôt, il faut que tu aies un mécanisme où il faut qu'on permette un bon quelqu'un de libre. Dans la place qu'on s'est rangé aux résistants, rangez-vous du côté d'une idéologie. Une idéologie qui peut faire en sorte que ma pensée n'a pas votre façon, votre vision du monde et permettre à ce que Mboka, une fois que pouvoir, et qu'il y ait des libres. Donc, à l'objet, je vais vous dire que je vais vous partager Platon, mais je regrette que je vais vous dire que. Bango, ba yebi, ce qui m'a fait le pouvoir, nani à cause de la première ministre. Non, c'est faux. Bah oui, ben parce que le premier ministre, il faut outa na majorité. Na majorité. Est-ce que tant que l'élection que ça a mal, l'autre lobby na 2028, ce que l'élection ça a mis, est-ce que décider na balier na yeba cause de la majorité pour que ba yeba que non tel à cause de la premier ministre na biso ayebanité. Donc, nous sommes toujours dans l'incertitude. Les jeux politiques, c'est un jeu d'incertitude. On évite le lotolobi et le connu Koko Salama et le connu s'est présenté tout le bien en côté. Donc, ce qu'a le biboye, n'a pas se retraiter en tant que moto maele, à l'obama congolais, message ou écoléka directement, opé le lotolobi, tant que bako koma n'a pouvoir, aye bako justifier en gros. Parce que nous, les jeunes, d'accord, élite, qui sommes en, nous sommes en train de monter, mais et bon, il y a tout le bako sa politique. Pour que l'obit de l'obit au Kounate, va balancer les bisous à la vidéo, mais comme tu m'as dit, l'obit au Kouna, tout le monde a l'élo, tout le monde a justifié en côté. Aïe, bah, et l'élo, ce qui va juste pouvoir élection salami, premier ministre à Kouta, n'a pas la majorité. Et quoi, ça, la qui, bah, on peut pas dire la majorité, mais est-ce qu'il y a aussi un parti, ou un bah, quoi, bah, que mon hôtel, ton moto au Kouna, y en a mouta ça, là. Bon, ce moto, bah, on va prévoir qui, à Koufi. Bien, Boui. Toi, Koufi, toi, Boui. Toi, Abimite. Toi, Salami qui a sa souna bangote. Donc, il faut faire plutôt, définir plutôt le profil de premier ministre. Oh, bah, bah, ah, premier ministre, c'est au cause à force à la boue, force à la boue, force à la boue. Là, je suis d'accord avec lui. Mais dire directement, toi, il y a un non, c'est faux. Parle plutôt du profil. D'accord oui. Pour qu'on ait été opposition à ça, non, il y a un peu de temps. Par exemple, il y a un peu de temps qui a été congolais, nous sommes considérés au roi à Congo. Hein? Moto mokota ko ko s'opposer na congolais mosusu mais to ko s'opposer na ba o bazali banguna ya Congo na ba o to ko za la résistant. Voilà les grandes questions il faut aborder si il pourrait avoir une révision partielle ou de l'ensemble ou changement de la constitution. Voilà ma grande question. Oh, il faut to lobela yango yango wana. On peut pas comprendre dans un pays bon ça n'a plus de 500 partis politiques alors que portefeuille était dans moins de 500 entreprises. Est-ce qu'on peut, comment on peut comprendre ça? On peut l'expliquer par quoi en fait? Si on toyebi to lingi réellement to s'inspirer na ba o ba sala ki déjà makambo biso to sala lelo ba modèle ezali ebelé et toyebi ndina di ba kenda ke lo ni ba sala ki po ba koma o ba zali lelo. Alors pourquoi ne pas adapter par rapport à notre propre réalité? Nous tu lo ba te voilà l'opportunité et la nécessité ezali mo konja mboka nde ezali ko juger yango parce que peu importe ce que vous pouvez dire aujourd'hui. D'accord, mais ce qui le veut l'équipe dans le conseil des ministres. Et que Mokonja Mboka a jugé bon et le connaît les cathos et les cathés. D'accord, qu'il y a ça la matin. Donc, Koloba était opposant à Zalité. Non, Bisson Soudali, bah, Congolais. Mais Biden a vu ça, et Zoko s'est différencié par rapport à la gestion de Mboka. Et puis, la vision, Otozaï, n'a pas de Congo et à l'élo, paix à lobby, paix à l'obby, pour la génération fictive. Mais, Congolais, mon côté, pour s'opposer à Congolais, mon sousou, Congolais, mon côté, à cause de la résistance envers un autre Congolais, Bisson Soudali, bah, Congolais. Bisousali na mokonja mboka oyazali symbole à l'unité nationale na biso ils avaient fait certaines sekete chilombo lobby to lobby okuna fait sekete chilombo akoki koleka Martin Fallou akoki koya akoza la paix symbole ya unité ya bana kongonyo surtout to boye division aux résistants à la boye aux opposants à la boyeté.
débattons sur les grandes questions de l'évolution et de l'échange que nous pouvons faire. Très bien, Ndekoeri. Ndeko Yves Badioko, lobby, chef de l'État, à l'objet bon hasard favorable à la modification et à la constitution. Est-ce que la raison est évoquée qui est la raison valable? Merci, Mingi Namoun, de vous avoir abondé ici déjà à l'Obanaï, à l'objet qui est. Pour le président, il a initié, il a changé, il a été quand même dans l'été, il a été au Saliango. Quand on a commis tout, on a dit que Félix Tshisekedi a fini. Est-ce que tu as dit que tu as fini par opposant? Tu as dit que tu as résistant. Donc, tu as fini par tout, tu as fini par tout. Tu as fini par tout. Tu as fini par bien, tu as fini par tout. Tu as fini par tout. Tu as fini par fini par tout. Tu as fini par tout. Oh, ça veut dire quoi? Mais il a expliqué. Les accompliments. Ça veut dire bateau, batana, bateau. Et belé, n'a si maté. Dans le barreau, à Salim Piaka, à Salim Piaka. C'est ça. Il a eu à Salim Piaka, ça a l'air de m'en faire. Il a eu à Salim Piaka, ça a l'air de m'en faire. Il a eu à Salim Piaka, ça a l'air de m'en faire. Il a eu à Salim Piaka, ça a l'air de m'en faire. Il a eu à Salim Piaka, ça a l'air de m'en faire. Il a eu à Salim Piaka, ça a l'air de m'en faire. Nous résistons à l'imposture. Nous résistons à Mouyibi. Nous résistons à la mauvaise gouvernance. Nous résistons à la mauvaise gouvernance électorale. Il y a un état qui résiste. Puisque le que Moutou a commis, il faut que nous sommes en train de se faire. La constitution est une obligation, article 64. Il y a un état qui résiste. C'est consacré dans la constitution. Quand c'est le lobby, oh, on a fait nous, on a fait un peu de temps. Tout ça, on a fait un peu de temps. Et le Seigneur, il a dit que nous sommes en train de autour d'une table. Tout ça, on a fait un peu de cohésion nationale. Tout ça, on a fait un peu de cohésion nationale. Moi, je suis en train de faire un peu. Même si c'est irresponsable, 116 localités. Si on a 5 territoires de la République démocratique du Congo, et comme il y a un peu de temps, yo l'équipe orbité, il faut changer constitution. Des pessinines. Ndekuna, bande kunanga ya walikali ba kozela ngo, bande kunanga ya ruchuru ba kozela ngo, pour changer constitution, pour situation na bango ça nini. Na comprendre bien. Tu veux qu'il nous fasse ce qu'il dit à ngo ça balkanisation en Bukana biso. C'est ça. Il y a ça ya ngo azo lukana kacha révision constitution. Pour balkaniser, à katande, à consacrer que parti wana oyo ba Rwanda si bazui et komi ya bango. C'est ça objectif na bino, au komi sa balkanisation à 100%. Il ne faut pas changer pour la gratuité et le baki kaka un thé. Jamais. La constitution dit enseignement des bases. Enseignement des bases, c'est qui dit la 6e primaire. Comme ça, on dit la 8e, il dit que soyez conséquents. On n'a pas besoin de changer la constitution pour ça. Et encore, il y a la gratuité. Est-ce que vous avez évalué la gratuité? Et puis, c'est le résultat. Tout ce qui est de WAP, il y a la gratuité. Où il y a enseignants, il y a 100, 200, 300, 380 élèves dans la salle, mon copain enseignant, tant que ça n'est. On forme des illettrés à qui on va donner des diplômes demain. Et c'est grave. Et c'est très grave. Na évité binokuna na kati union sacrée ti au plus haut point, ce que vous avez na ti na pena ya solo, na ti na ya kotangisa, ya ti na ko former ba génération future na moi vous avez na mon ti na té. Donc vous ne faites pas une évaluation, paf boling bokine. Les enseignants sont en grève. Ça fait 2 mois, ceux qui te aillent payer sérieux. Les sites ont décrété année blanche. Parce que c'est impossible de rattraper retard oyo banana se va accumuler. C'est impossible. Il fallait qu'on décrète année blanche. Les commentaires, nous arrêtons, nous cherchons des solutions, peut-être aussi la solution au problème, pour l'objet à l'issue. Donc, on a à chaque rentrée qu'il faut enseignant, va réclamer. Comment vous voulez parler de la gratuité beaucoup foutu à 244 000 francs. Bino Batoignon, Sakri, Wanatambo, Mapanatongote. Mais beaucoup foutu à Moutou. À nourrir famille, Naye Mobimba. Soyons quand même sérieux. Moko on tozo kende na bozo sala makambo vraiment avec extrêmement de légèreté et comme mabiso nulle part. Albi makambo changement de nationalité. Soba changer de constitution de kuna bato bake, qu'est-ce que ça leur apporte de plus? Parce qu'ils ont la possibilité de revenir ici de manière régulière. Soba comme il y a beaucoup aux visa volant pour ceux qui ont encore une autre nationalité au boko tungisa bango. Qu'est-ce que ça va changer? Mais vous ne vous posez pas la bonne question. Pourquoi Bandekouana va changer ma nationalité? C'est ça la question, il faut Bomitouna. Parce que dans ce pays, nous nous dirigeons petit à petit vers la dictature. Donc, on mikoumba petit à petit vers la présidence à vie. Qu'est-ce que c'est le Bakin depuis longtemps? Martin Fallou, affectueusement appelé Aigle par nos sympathisants, le Bakini, depuis Conseil national à Bissau à mars, depuis dernier discours adressé à la nation en juin.
il n'y aura ni changement ni révision à la constitution. Pendant qu'on a mis sur l'union, c'est que dans l'IDPS, Baganisi Bache Maïli, pour Bache, question Anna, Liboso, Barbi, ah, Joseph Kabila, tchakamon, on a souka mandat, naé, aéron de Simba quitté. Bisou, il faut tchakamon, quand on a ébadé la deuxième mandat, comme ça, t'auras ça l'ango bien. Mais le problème, c'est que vous avez lancé le compte à rebours, il y a fait un mandat, Nabino. Probablement avant 5 ans. Ceux qui vont me dire qu'on continue dans l'idéologie ou dans l'idéologie. Il y a le fait que ce n'est pas la rue qui détermine l'opportunité. Car c'est tout autour là qui s'est que c'est la rue qui va déterminer. Non pas l'opportunité, mais l'avenir politique. Il y a un avenir politique. Il y a un avenir politique. Il y a un avenir politique. Il y a un deuxième Congo. Il y a une Belgique. Il y a un avenir politique. 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 Il y a un avenir Donc il ne faut pas nous engager dans des discussions qui vont encore plus nous fragiliser, plus nous détruire. Est-ce que Bozana Mboka, Oyo, Moutouada qui est président de la commission électorale, a comme un rebelle? Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Est-ce que ça ne vous dérange pas, situation Rwanda? Tout ça n'a pas tout, comment soutenir, bateau va agresser Bissot, bah il va Rwandais. De Koufang Diongo, qu'on l'aime pas. On a qui lit non violent. Moi, la politique, il y a Félix, il y a Etienne Tshisekedi. Yo, comment on vous ça? Il y a Rwanda. Très bien. Il y a Sonny Mingi. Mais là, il y a un nom de Félix Tshisekedi. Il y a ça l'opposition, Wapi. De Félix Tshisekedi. Afin d'en apporter. D'abord, à quoi l'attend Moutatane à Zaki ministre? Il bouvait, il vivait, il mangeait aux frais de l'État. Tant que Makaboyin Zaki Poto. Afin de Kounan apporter, je vous défie. Il y aura deux photos à Félix Tshisekedi alors que ça marche dans la ville à Kinshasa. Deux kakaya pamba. Donc il ne faut pas mépriser les autres qui souffrent. Pourquoi tu es? Parce que effectivement il milite, il résiste contre l'oppresseur. Oh, Ndeko Félix Tshisekedi, ça la coûte à tête. Très bien, Ndeko Yves Badioko. Ndeko Fedi Mukendi, en quoi est-ce que modification y a notre constitution et qu'on impacte social et congolais? Parce qu'on a raison, tout le temps qu'on appelle ici, à la Bibongo, formation des gouverneurs, du gouvernement, validation des mandats, la crise entre le gouverneur et l'assemblée provinciale. Merci beaucoup. Ne fût-ce que cet exemple, il y a le gouverneur. Ce qui, les lots, le gouverneur va nommer, et pas le chef de l'État. Donc, le chef de l'État va nommer les gens sur base de leur expertise et de leurs compétences. Ces gens auront la seule mission de servir le peuple qu'ils vont diriger dans ces provinces. Ils n'auront à rendre compte qu'au chef de l'État et non aux assemblées provinciales, parce que l'expérience dans notre pays montre qu'il y a instabilité à la tête de province. Le fait que bah, député, ceux qui bah, se pélient dans le gouverneur, ok, qu'on s'est gouverné en bon ou à PCOT, ok, qu'on s'est nommé Ndekonayo au ministre provincial à PCOT, au Siliki, ok, qu'on initie une motion de défiance pour Nakolongola gouverneur. Et bien, Longola, bah, gouverneur, parfois certains innocents, de cette manière-là, et ça crée une instabilité dans ces provinces au point que ces provinces n'ont pas su se développer. C'est le cas de ma province du Kassai Oriental. Les cycles passés, nous avons connu près de 4 gouverneurs. Parce que le président de l'Assemblée nationale n'est pas content avec le gouverneur, un député n'a pas été content. Allez, on initie. Et ça, ça ça et Zotungi, sa peuple, parce que le gouverneur a aussi la moussala pour nous rendre compte dans le peuple, a aussi la moussala pour nous rendre compte dans l'Assemblée provinciale. Les gouverneurs qui connaissaient ça, ils ont fait plus de 10 ans, 12 ans. Na pourquoi Abengi ba député provincial et panaye, pam, bazungi. Ako vanda wana ti na air akolinga alouwa. Donc, ça c'est le premier impact de la révision de la constitution. L'exemple de la nationalité une exclusive, il dit ça va impacter quoi? Il faut demander à ces Congolais-là, à qui on prive le droit d'être Congolais. Pour venir dans ton pays, il faut payer le visa. Tu sais quel droit on est avec ça? Ça fait mal quand on te le prive. Mais quand ton frère meurt, ta soeur est malade, vous appelez ces Congolais-là qui pour venir ici, il faut payer le visa. Il faut aller leur demander qu'est-ce que ça va vous faire que d'être Congolais et Belge.
Ce n'est pas Félix qui demande ça parce que lui n'a jamais changé de nationalité. Ce n'est pas moi qui demande. Mais c'est le peuple congolais qui demande une partie du peuple congolais. Donc ce sont ceux qui sont au pouvoir qui peuvent juger et étudier qu'est-ce que l'on peut faire. Est-ce qu'on peut répondre à cette demande? Est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette demande en ce moment? Je rappelle à notre ami des décidés qui n'ont aucune leçon de morale en termes des injures dans ce pays. Parce que je respecte beaucoup le vieux Martin Fayoul. Je n'aime pas reprendre ses injures dans le média. Des injures assez très graves que les enfants ne peuvent pas entendre à l'endroit de la police nationale congolaise. Il a insulté cette police devant les médias internationaux. Donc, en matière d'injures, franchement, parlons peut-être à un autre leader de l'opposition. Ce n'est pas Essidé qui peut venir nous donner ces leçons-là. Et puis, rappelez-vous que la révision de la Constitution est constitutionnelle. Le peuple ne peut pas aller sur la rue pour aller résister contre la révision de la Constitution. On ne résiste que contre ce qui est inconstitutionnel, qui est contre nos lois. Mais si on veut reviser la Constitution, parce que ce peuple-là avait voté cette Constitution, il avait permis les mécanismes de sa modification, sa révision. Vous allez appeler quel peuple sous la rue? Et quel peuple est même derrière cette résistance? Parce que dans notre Constitution, vous n'allez pas me monter un article où il y a la résistance. Nous connaissons que chez nous, il y a l'opposition, il y a la majorité au pouvoir. Si vous êtes résistant, c'est-à-dire que vous êtes les hors la loi. On ne peut même pas vous accepter d'être sur la rue. On va vous considérer comme des rebelles qui ne respectent pas la loi congolaise. Si vous allez sur la rue comme opposition, avec des raisons valables, oui. Mais attention, le peuple congolais ne peut plus être trompé. Très bien. C'est ainsi que depuis que le président Tshisekedi est réélu, je n'ai pas vu une seule manifestation qui a réuni 1000 personnes sur la rue. Pourquoi? Parce que le peuple se rend compte que nous avons un président dévoué, un président qui aime le pays, un président qui se bat tous les jours pour que les conditions de vie des Congolais changent petit à petit, même si ce n'est pas encore de manière très perceptible. Il y a des efforts et des indicateurs qui montrent que nous avons un régime qui aime le développement du pays et qui se bat pour ça. Très bien. Vous allez appeler le peuple pourquoi? Fedi Mukendi. Deko Eri, est-ce que notre constitution y a une base de la souffrance na biso? Banzela mabulu embouteillage nzala. Merci beaucoup maman Maria. La question est très pertinente en fait. Hein? Je rappelle ici que le chef de l'État, lors de son discours même à Kisangani, après avoir épinglé le point qu'il estimait qui fâche un peu la gestion du pays dans son ensemble, notamment il a fait référence à Makambu, à installation à gouvernement, il y a validation à la candidature, il y a bas député, et aussi concernant l'élection du gouverneur et consorts. À la fin, il a bien dit, ce n'est pas une priorité pour lui. Hein? Il y a une goal, été tant au chef d'État, bande que ça la campagne naïe. Pour nous relier à un second mandat, seconde chance, seconde confiance auprès de la population congolaise, à ça qui campagne a été sur base d'une quelconque révision constitutionnelle. D'accord. Mais ils ont macamoué coco ya en cours de la gestion de notre pays. Ils ont une initiative oyo congolais nous sommes coco joie ce qui va réunir à travers une pétition au initiée par un député au niveau de l'Assemblée ou initiée au sein du gouvernement par les ministres ou par lui-même, le président de la République. Au moment où le président de la République, tant que ça, la campagne est priorité, c'est la unité en Mboka. Sécurité et puis développement, émergence, il y a Congo. La priorité, c'est Yangoana. Yangoana peut exprimer qui Yango à travers 6 axes. Ou Azali, qu'on se battre dans Yango, les lois. Donc, priorité à président de la République, ils allaient révision constitutionnelle, ils allaient changement de la constitution, mais
priorité à président de la République est la souffrance y a peuple congolais. Souffrance au peuple congolais est allé comme bicanango na niveau y a ba province. Parce que aux alliés mon père na Congo a été maman Maria au titre de Kolokoina. C'était pour le bas était osa au courant ya makambo ezoli kana ba province. C'était aux alliés comme on a gouvernement le quoi même mismo kenda lobi gouverneur lelo batie deux ou trois jours après il commence à dépendre des humeurs des députés provinciaux. Et ces députés provinciaux, tu es bien moko sur quels critères au Bazali élit. Voilà encore des grandes questions que notre constitution n'a pas réglées. Quand notre constitution dit par exemple que Montonion soit parti à tel âge à Kokozala, président de la République, ou candidat président de la République, candidat député provincial, national, mais sans pour autant définir le profil qu'il faut. D'accord? Parce qu'il y a une assemblée provinciale, mon sou, maman Maria, Ozaï na moto, Azali député provincial, mais a évité constitution Ezali Nini. A évité Edi Ezali Nini. A évité Mibé Kouambo. Même ma notion élémentaire, il y a fonctionnement, il y a Mboka, il y a entité, il y a province, il y a entité territoriale décentralisée. Ou Ezali Bongo, ba commune, ba mairie, hein, topé bah entité territoriale déconcentrée vous allez bah territoire ayebi yangote nengeni ekoy ko fonctionner azo maîtriser té même le nombre de territoires où ezali na kata province na bango. Voilà des grandes questions aussi on peut aborder au sein de notre constitution, hein. Donc moto du jour au lendemain akoy ko parachuter pouf, c'est comme si démocratie topé constitution ezali ko favoriser bato bazali na mbongo bato mayele bakoko lekate parce que les lots bakoko lekate. Alors que Batomayel est né, il faut nier que c'est la politique. Parce que politique, c'est pour les érudits. Ce n'est pas pour les ramassis. Ce n'est pas tout le monde qui est censé être à la gestion de l'État. Non. Et Zali Bato, Bazali, qu'on s'est démarqué dans Batonio, surtout. Bato, Bazali, qu'on bima au-dessus de la mêlée, Bangonde, Sengeli, Basimba, Jashu, Amboka. Parce que Bangonde, Bazana, vision, Bangonde, Bazana, idée, Bangonde, Bazako, définir l'une de conduite, Oyo, Bakoiko. Voilà, souci à Mokonja Mboka. Améliorer condition et la vie à Bato. Kopé sa Congolais, surtout opportunité. Aïe bako tanga, aïe bako konte, pe, aïe bako koma. C'est oeza biloko, oeza basique. On a bamboka mousoto, ok, le motonio, soye boko, maïe botanga. Même bachege. D'ailleurs, moi je plaide même pour qu'on puisse nous créer même des écoles en bilan. Hein? C'est-à-dire, bah, il y a une rompue, gare centrale, là, bah, ça, il y a une école, moro, boy, ambulante, bah, tu m'as bâche, bah, rétrité, bah, chez Gognon, surtout, bah, y'en a, bah, y'en a, bah, y'en a, alphabet français, combinaison, y'a, ana, anana, bena, e, et ça, là, qu'a, abi, hein, bah, y'en a, bah, y'en a, bah, notion élémentaire, y'en a, bah, école ambulante, hein, n'y'en a, y'en a, pour que nakati ya Congo oyo ezana moto mokote aibate kokoma aibate kotanga meba nyoso baiba kokoma kotanga pena kokonte moto nyoso aiba yango ezali nini oza ba elema elementaire oyo soki lelo moto aibi yango ezali même baba solide pour na développement baba solide pour na lutter qualité contre ba fraude pour na qualité contre ba chômage pena makambo muzuzu ya lolenge bele. Donc ndeko fait ce que dit révision constitutionnelle, ils allaient priorité pour Naïeté. Très bien. Mais priorité pour Naïe, ils allaient aussi lire sa souffrance, il y a peuple congolais. Très bien. Voilà la plus grande priorité, il y a Ndeko Félix, à toi de ce que tu dis. Quelles sont d'après vous les vraies raisons et aux dînes d'attendre qu'on dise qu'on a modifié notre constitution? Merci, Mingi. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ont été politique et d'aller pour Naba, érudit. Nous allons être responsables à tous les niveaux qui correspondent à des profils autodéterminants. Donc, lobby ceux qui te suivent beaucoup de temps, tant que tu reçois ceux qui te. Tant que tu reçois beaucoup de temps, je vais te dire, ah, ouais, tu as dit, c'est quoi, pour assez à Banor, ça, nous allons dire, ma coquine, ma canisine, ils allaient bien. Donc, nous savons déjà qui est celui-là qui correspond à un tel profil, ou qui permet de faire une fonction, puis à qui ne libosso. Yo kan de konanga ya le bisusu.
tous les gouverneurs sont bakoti, bakomo futa kanyaka, ils sont à la solde. Mais tous les gouverneurs, ils sont de l'Union sacrée. Toutes les assemblées provinciales, ils sont de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Boni boni bino moko nakati à l'Union sacrée. Badongolomi aussi babimi. Soki babimi c'est gouverneur, bango musa na bango kobuka gouverneur wana. Comment ça se fait? Donc ça veut dire que l'Union sacrée, ils ont une idéologie propreté, ils ont la ligne de conduite, ligne directrice, c'était pour nous tous sommes tous par ailleurs na makanisé. Donc on a eu Boudali Mingi, bah allié à UDPS. Ce qui ne confirme c'est que d'accord comment on nomme le gouverneur, c'est contre vous. Les premiers visés à Bino, bah tout Boudali na kati union sacrée. Bino ne va pas bakuna na kati, il y a ni à renommer Bino Boudali sous na tine à mon côté. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le problème c'est qu'il faut bien regarder le verre. Ce que vous montrez qu'un verre à moitié plein, vous voyez battre le vide et le danger qui est en train de courir contre Bino. Mais, balobi a ouabande konangai que révision, pour l'année de Roubaix à révision, nous ne pouvons pas faire des révisions intempestives qui répondent à quel problème de konangai au tunye mutunawa. Est-ce que ce qui va changer la constitution, ma boule est sili, nzale est sili, est-ce que la guerre est sili? Aïe, peut-être qu'il a noté, hein? Il n'a pas répondu, parce que ce n'est pas ça le problème. Mais comme on a dit au peuple, à Zozela, oh, bah, moi, moi, lobby. C'est la question de la gouvernance. C'est la question de l'amélioration. Il y a vécu quotidien à Bango. Ben, de quoi il y a lobby de sous, boni, boni, bon, bah, tiens, qui va priorité à Bango. Que révision constitutionnelle va priorité. Dites-nous. Bah, priorité au Botcha qui s'y pile. N'a tenu bien à 1,5 million d'emplois de conférence, tu sais que dans le bac, on créé Ezali Wapi. Vous créez déjà combien? Bino moko bozo le baké constitution n'est pas bino autorisation du Kamouté. Que dit l'article 219? C'est là le discours à chef de l'État sur l'état de la nation. Ouais, mais minité la décembre. Mais y a quoi le baké sonine? A quoi le baké repère ça qu'on voit six avions? Mais à quoi évaluer? A quoi le baké repère ça qu'on voit six avions? Pendant naïo est en cours. Mais alors à évaluer non maloba naïe moko. A quoi le baké repère ça qu'on voit six avions? Toujours dans le discours état de la nation. Après ça. Si, on va essayer de profiter. Ah ben, pour ça, l'Allemagne d'Afrique, il y a beaucoup d'avions. L'Allemagne d'Afrique. Avion, ils allaient te commander les logis, les locaux, ils sont dans le magasin de Goïf. Avion, ils sont tous là, ils sont tous là. Ils sont tous là, ils sont là, ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là. Les avions les plus sûrs, ils sont au Tamboula Mingi. Je ne vous apprends rien. Non, non. Donc, les avions les plus sûrs, ils sont au Tamboula Pena Mingi. Ou on a des avions fiables. Donc, ils ont un petit peu de temps. Dites-nous ce que vous avez fait pour ces Congolais. Ils sont dans le noir. Comment vous pouvez penser que Mbokane s'est développé alors que l'autilique, l'électricité coûte bazar dans le côté. Moussala, moussala, thé. Article 219, vous-même, Botia, état de siège. Bino Moko, Moutatini Bino, Azate, Topé, qui s'appelle Botia. Botia, état de siège. État de siège, pendant état de siège, va réviser la constitution. Est-ce qu'à ce moment où le pays est agressé à ce niveau, est-ce qu'il faut tout le monde? Donc, vous avez un cas de la chambre, vous avez un cas de la chambre. Et vous avez un cas de la chambre. Vous avez un cas de la salon. Est-ce que c'est normal? Alors que Ndako est Zika. Avec de la cohésion nationale, à travers un dialogue de vérité, de réconciliation, pour arriver à la cohésion nationale, entre les Congolais. Comment vous pouvez vous imaginer que les Union sacrée, les Rwanda, qui nous agresse, mais les Congolais, mais biso wa tolobi qu'il faut développer le processus de Kinshasa bobo yote kuna ba koluka musala kuna ba lingi eloko songolo to para de konangai oui c'est vrai la république est en danger. Donc, comme ça, tous les jours qui passent, il faut sauver la République du danger. Si Ndeko Félix Tshisekedi veut se positionner en étant un élément du danger, eh bien, la République, le peuple va s'occuper de tous ceux qui se positionnent à côté d'un danger. Et nous allons résoudre le problème. Nous appelons à la cohésion nationale pour sauver la République. Pas la cohésion nationale pour sauver des individus. Et si ceux qui Ndeko Félix Tshisekedi, s'il y a des Congolais qui ne comprennent pas et qui se mettent du côté de l'ennemi, eh bien, la population congolaise va prendre son destin. Est-ce que Ndeko Tshisekedi a l'ingé à se maintenir au pouvoir? Non, il ne veut pas se maintenir au pouvoir. Tshisekedi, c'est un démocrate, un très grand démocrate. Et quand il a parlé à Kisangani,
je n'ai pas senti en lui la volonté de se maintenir au pouvoir. Parce que c'est même ça ce qu'il a détruit dans les têtes de Boyomé et des Congolais de partout. Parce que à lobby na discours na yé que ba opposant oyo ya kotonda. Ozomon ba lingi ba séparer biso. Ya kotonda terminé. Lingi ba séparer biso. Bazo évoquer kaka makambo et tel mandat. Nombre ya mandat na durée ya mandat. Alors que ba article wana kono ko modifier yango. Il faut que kindana no ko tuna peuple. Mais pour le bas article OYO, constitution EP, c'est dit ce droit ya ko initier ba modification. Alors, qui est en lingala, OYO, c'est dit ce ndingisa ya ko modifier. Je vais nommer des Congolais, des intelligences pour ba réfléchir sur cela. C'est ça ce que moi j'ai suivi du président de la République. La même question lui a été posée en Belgique par Radio Top Congo. Je la cite. Il a dit, il ne revient pas à moi. Parce que ces articles sont inamovibles. Pour les changer, ça dépend de la volonté du peuple congolais. À travers les référendums. À travers les référendums. Ce n'est pas moi. Donc, je pense que je réponds par non. Il n'a pas envie de se terriser au pouvoir. Mais je voulais dire à notre ami qu'en 2018, Vital Kamerhe était vu comme premier ministre selon leurs accords à Nairobi avec Tshisekedi. Après les élections, Félix Tshisekedi n'avait pas la majorité. Kamerhe n'est pas devenu premier ministre. Il doit savoir que c'est l'occasion pour lui et nous de nous battre pour que la constitution soit modifiée pour que celui qui est élu ait les choix sur son futur premier ministre. Voilà. Très bien. Donc si on change la constitution aujourd'hui, et ça bénéfique pour la banque. C'est bénéfique. Donc, lui, déjà, il sera ministre de la jeunesse. Il ne doit pas se perdre. Très bien. Je répète, le peuple n'est plus un peuple qui suit les gens aveuglément. C'est un peuple qui suit ses leaders politiques, qui se bat pour son intérêt. Mais quand on trouve que ce leader politique, c'est autre-toi de là que moi je m'y mette, on ne les suit pas. C'est ça la faiblesse de notre résistance, de notre opposition. C'est ainsi que tant que nous surtout sur les tant que nous marcher pour la révision de la Constitution. Révision de la Constitution, il s'aligne. Et ça m'a dit, la distribution article, ils ont besoin de révision de la Constitution. Et ça t'est. Non, ce n'est pas opportun. Qui détermine l'opportunité? C'est toi, ce n'est pas toi. Très bien, Ndeko Fedi Mukendi. Donc, comme il y a souka, deux minutes, Ndeko Eri, est-ce que Ndeko Tshisekedi a l'air de se maintenir au pouvoir? Non. Non, pourquoi? Parce que le chef de l'État a béni peuple et a un référendum. Parce que ce n'est qu'à travers le référendum et qu'on permet le chef de l'État à déverrouiller l'article de l'Isaac, verrouiller l'article 225, je crois, pour que à se maintenir au pouvoir. Et pourquoi se maintenir au pouvoir? D'accord? Nous faisons la royaume, nous faisons la royaume à ta moquette. Dès qu'on fait, ce qu'elle dit à l'ignace à l'oco, la Jean-Baptiste. D'accord? Il a remarqué les imperfections qu'il y a dans notre constitution. Non, le baga, même de par son exposé. Exposé à Salamaka, à l'époque, il y a 1 plus 4. Tant qu'exposé à Nogomona, il y a un plus 4. Ils ont fait ça. Ils ont fait le boulevard grandement ouvert pour que nous soyons dans la capacité aussi de contre Mboka. Mais fait, c'est qu'il dit Atali, le la moto, ou à la vision un peu plus poussée. Il y a Jésus à Mboka, à l'obité, à Tanga le Lonaza bloqué. Parce que Mibé Kwamboka et Zosenga, qu'on nomme informateur, qu'on paie sa temps, il y a validation et mandat, qu'on tique, qu'on s'ingère dans ma camboie, Jésus à ma province, il faut qu'on impose ça, ma gouverneur, mais ma député provincial, ma Mboko, ma choisir, ma gouverneur, na bango. Mais Elokoana et Zali Kotia, président de la République, dans une position d'inconfortabilité. Par rapport à programme et à vision naïe. Parce que ma province, je suis le gouverneur, je suis en train de travailler. D'accord? Alors, à l'ingé, moto à quoi na simanaye. Voilà la vision d'un homme d'État. Moto à quoi na simanaye. Lobby, tu vois, Mante Falou, ton ami, tu es habité, Zambéne moto à ebi, n'a pas coco. Mais quand c'est moto à quoi ya ouana, hein, a trouvé ma ambiche
Oye aza kutani na yangote tout au long ya mandat na ye. Voilà la vision étatique est éclairée. Très bien. Maman Maria, permettez-moi s'il vous plaît, na ça l'appel à l'unité nationale. Parce que l'unité nationale, tout comme la cohésion, et ça, ce sont des éléments psychologiques. Il y a des éléments psychologiques. Nous avons dit que nous avons cohésion exacte. Nous avons cohésion exacte, cohésion exacte. Non, il y a la cohésion. Congolais, mon côté, a été opposé à Congolais Moussous. Congolais, mon côté, a cause à la résistance à Congolais Moussous. Mais Congolais, à cause à la opposant. Il y a des étrangers, nous surtout, au bazar pour ça. Il y a des gens qui ont mis des désordres en complicité avec les Congolais Moussous. Congolais à cause de la résistance envers les Congolais, les étrangers, nous sommes tout. Le quoi la Kaya Est, Bazali qui occupe le territoire de Bissau. Très bien. Maman Maria. Mais, à cause de la résistance envers les Congolais, mon souci, Bissau, tous les Libanais à Congo, tu prêches unité, paix, cohésion nationale tout autour de Bissau, paix, tu parles de grandes questions par rapport à Mboka na Bissau. Très bien, Dekoeri. Tout n'as pas pour toi, c'est les émissions de l'eau. Deko, Yves Badjoko, est-ce que 2028 est avisé? Tout n'a la question bien. De quoi Félix Tshisekedi nous maintenir. Oui, la réponse est oui. Et là, quand il y a des gauches, toi, t'es. De quoi Félix Tshisekedi a comme acquis beaucoup dit dans le dope électoral en 2018. A ça dit simulacre d'élection en 2023. Yo kan si, a roken de nanengwana. A quoi Lucas se maintenir. Mais il n'arrivera pas, de quoi Nangaï. Le peuple. Kabila Koutou, Soda. Ou à Tamboula Banda, Kounatia ou Makolo. Namunduki. Donc, allons à te. Car on ne peut pas faire que ce qui est nous allons lui barrer la route. Yo le mec qui va besoin d'aider à changer. Ndeko Kabuya m'a lancé Alobi boye bien. Alobi que 5 ans mouke. 5 ans ouye. Bah manœuvre politique première année. Dernière année élection. Il faut comme ça 7 ans. Mais abo ça dit que c'est comme ça 7 ans. Première année, vous avez toujours manœuvre politique. Dernière année, vous avez toujours l'année électorale. Parce que tension n'a plus de moi là. Non mais si le peuple décide. La constitution. Ah, voilà. Si le peuple décide. Maintenant, il y a moins d'alobi boye. Le peuple là, et qu'on a qui s'abino. Les millions, bah qui ont la Martin Fayoulouna. Report, sans donner un franc, sans drapeau kili kili, wana peuple wana o toko benga biso baye résistance o toko mouna pasi na bango, biso ne toko mouna bala, nous allons vous bloquer tolo biboyi, si vous pensez que initiative na biso la cohésion nationale et longoli biso capacité à résistance bomikosi, toko résister et ceux qui vont décider bino boko tanara ya bangou na pour qui va déstabiliser mboka na bino boko na biso, le peuple s'occupera de vous. Très bien. Bangouna, il va se vinité. Bon après-midi à tout le monde. Au Naomi Pila. Au revoir.